Bonjour, docteur Holden. Comment allez-vous? Ici la directrice communication Nathalie Bright depuis le centre de contrôle de Houston. Cette transmission n'était pas prévue au programme. Vous avez dû remarquer que vous n'avez pas atteint Alter Eden, mais vous êtes toujours dans le système solaire. Nous avons remarqué des incohérences dans l'un des rapports sur l'état de l'univers, et je voulais m'assurer que ce n'était rien de grave. Comme vous le savez, les erreurs dans les rapports du hors-vol de l'équipage doivent être examinées par le commandant de mission. Je suis désolée d'avoir interrompu votre hibernation avec une alarme d'urgence, mais je voudrais votre rapport d'ici 12 heures, temps spatial. Je superviserai les communications de la mission Alter Eden pendant ce processus. J'espère que nous pourrons corriger le tir. Le pylône, il est tombé au sol. Je sais, Mac. Faut qu'on rejoigne vite le pylône avant la tempête. Cette structure est le centre de contrôle du pylône. Où est-ce qu'il en reste? À modifier leur structure. Mais pourquoi? Il faut se mettre à l'abri, vite! Ce sont des structures de Cinobots? J'ai vu des comme ça.
J'espère que je serai pas déçu. Avril Avec Victor, il nous a fallu toute une semaine pour atteindre le site d'atterrissage des véhicules de ravitaillement. Nous avons dû contourner un éboulement non répertorié avec notre explorer. En tout cas, la plupart des orbots sont en bon état. Et l'orbe majeur n'a rien. Heureusement, car nous ne pourrions nous en passer pour terraformer cette planète. Dans 200 ans, Alter Eden aura un ciel bleu, de l'eau, des arbres. Ce sera un paradis, comme la Terre avant l'enfer des sables. Victor supervisera la construction des premières installations pendant que j'active l'orbe majeur. Si lui et les autres orbots continuent à fonctionner selon mes plans, je n'aurai peut-être pas à réveiller d'autres humains pour l'instant. Thank you.
Surprise, surprise! Une fois les pylônes en place, nous avions calculé qu'il faudrait environ 200 ans pour stabiliser l'environnement. Bien sûr, le dysfonctionnement d'un pylône remettait tout en cause. Cette porte n'est pas alimentée en énergie. L'orbe qu'on a trouvé pourrait peut-être la redémarrer. Allez, on entre. Ça fait du bien de sortir de la tempête, hein, Mac? Bon, trouvons les commandes du pylône. Eh, un autre plateau de transfert, comme celui de notre explorer. Allons voir ça. On dirait qu'un truc est coincé dans la mémoire tampon. Oui, je suis une humaine. Je m'appelle Jule, et vous ? Violette ? V10L3T ? Oh ! Alors c'est vous qui bloquez les plateaux de transfert. Pourquoi ? La révolution. Ouais, c'est ça. Je crois que Violette a les fils qui se touchent, si tu vois ce que je veux dire. Les premières sondes envoyées vers Alter Eden ont découvert des gisements de minéraux rares à la surface. Mais nous pensions en découvrir beaucoup plus en sous-sol. Là-haut, les commandes du pylône. Viens, Mac. T'as découvert Alter Eden ?
on y a vu un nouvel horizon pour l'humanité. Pour moi, c'était juste l'endroit qui allait me voler ma petite fille. Comprends-moi bien, Jewel. Je suis très fier que tu fasses partie de l'équipe Alter Eden. Mais je pense que ton départ est en partie ma faute. Depuis que tu es toute petite, nous ne parlons que de l'espace. De l'incroyable aventure que représente l'exploration d'autres mondes. Tu ressembles tellement à ta mère. Courageuse, généreuse et un tantinet casse-cou. La Terre était trop petite pour elle. Pour toi aussi. Mais je suis heureux car nous allons pouvoir travailler ensemble, même si c'est à distance, pour tester ma nouvelle invention, l'IA Orb. Si nous réussissons, nous bâtirons un nouveau berceau pour l'humanité. Et surtout, nous révolutionnerons notre relation avec les formes de vie artificielles. Visiblement, un seul orbe ne suffit pas. Il m'en faut d'autres pour redémarrer le pylône. Possède une serrure à code couleur. Qu'est-ce qu'il y a ? Amplificateur à munitions rouges. Peut-être qu'il marchera sur la porte. Waouh ! Quand les couleurs de mes munitions et des orbes ennemis correspondent, c'est un feu d'artifice. Let's go, Snack!
Y a plus qu'à déverrouiller le connecteur. Ce plateau à pression doit être lié au connecteur. Et il n'a plus de renforceur. J'ai besoin de toi, petit. Suis-moi. Idano, ils vont m'aider à atteindre l'autre côté. Voyons voir ça.
Et maintenant, j'extrais l'orbe. Encore deux à trouver. Là-dedans. Yeah.